Good morgen, allez, Iden les Sus aujourd'hui, Leloui Nishmat Fortuné Bat Louisa, ainsi que l'Irfouat, Hanalea Bat Gitel Devora, et Sarah Bat Nechama Bator Shachol Israël, si vous souhaitez, vous aussi utiliser une prochaine étude de Mishnah contactée à 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Psachim, Perek Chet Mishnah Aleph. Aïcha, Bisman, Shehi, Bevet, Baala. Shachat Alea Baala, Veshachat Alea Via, Tochal Michel Baala. Alcha Regel Rishon la Sot Bevet Avia. Shachat Alea Via, Veshachat Alea Baala. Tochal bimkom shehi rotsa. Yatom shechachatu alav apotrofsim, yochal bemakom shehu rotse. Eved shel shnei shutafim, lo yochal mishel shneim. Mishechitzio eved vechitzio ben chorim, lo yochal mishel rabo. Le korban pesach, pour pouvoir le manger, il faut être nécessairement nommé dessus. C'est-à-dire, si on va passer, on décide auparavant qu'on va être 10, 12, 15 personnes à manger de ce corban. On se nomme dessus, on précise qui va manger, qui ne va pas manger. Et après, on fait le corban, et le corban, donc les personnes conviées pourront venir manger de ce corban Pessah. Un étranger ne pourra pas venir le manger. Ça, c'est une donnée générale qu'il faut déjà connaître depuis longtemps. Et maintenant, on va toucher dans notre Mishnah à différentes personnes où soit on va décider malgré eux. Soit, même s'ils ne vont pas expliciter, parce que je voulais préciser d'abord quelque chose d'évident, c'est que si on a voulu me nommer, on aura l'occasion de le détailler bien plus encore, plus loin, quelqu'un m'a nommé avec lui sur son corban, mais il ne m'a pas demandé mon avis. Je ne suis pas nommé, parce qu'il faut qu'il me demande mon avis. D'accord? Donc du coup, je ne pourrais pas manger avec lui s'il ne m'a pas prévenu. Il y a toutes sortes de situations assez spéciales, on aura l'occasion de découvrir plus loin. Mais en tout cas, hein, donc, pour le moment, il faut être nommé avec consentement. On va découvrir maintenant dans notre Mishnah toutes sortes de personnes où, même s'ils ne précisent pas, ils n'explicitent pas qu'ils veulent être nommés sur ce korban, eh bien, ils seront nommés malgré eux ou sans leur demander leur avis, parce que justement, on suppose qu'on a leur gré. Et la Mishnah commence à me parler d'abord dans le cas d'une femme. Haïsma, Aïcha, une femme. Bisman shei bevet ba'ala. À partir du moment où elle est entrée dans la maison de son mari, où elle vit avec lui, à exclure une jeune Kala qui vient de se marier, mais une fois qu'elle est bien installée chez elle pour le moment avec son mari, alors dans ce cas-là, Shachat Alea Baala ve Shachat Alea Bavia, si toutefois le père prévoyait d'inviter sa fille au Korban Pessah, et son mari aussi a prévu que sa femme allait manger avec lui au Korban Pessah, d'accord? Ils sont tous devenus à Yerushalayim. Il fallait s'organiser en groupe. Bémikré, concrètement, le mari n'avait pas prévu de s'asseoir manger avec le beau-père. Et la femme, elle, entre les deux, le mari pense à égorger pour sa femme, enfin, à faire la shrita du corban de Pessah pour sa femme, pas égorger sa femme. Et il pense à faire la shrita du corban de Pessah pour sa femme. Et le père, il pense à le faire pour sa fille. D'où la question, avec qui la femme va-t-elle manger? Alors la Mishnah me dit, bien, Tochal Michel Bala. Elle mangera avec celui de son mari, parce que Tant qu'elle n'explicite pas qu'elle a une autre intention, alors la femme, elle est nigreret achar ba'ala, elle va selon son mari. D'accord? Par contre, cas particulier, halcha regel rishon la sot bevet avia. Après la première fête qu'elle rencontre après s'être mariée, elle s'est mariée en tevet, shvat, adar, tout récemment, et puis arrivent les fêtes, on passe les fêtes en famille. Et malgré tout, le mari, il a une raison pourquoi il ne mange pas avec le beau-père, je ne sais pas s'ils sont embrouillés ou pas. Mais en tout cas, donc, maintenant, elle va, la première fête, c'est l'occasion pour elle de repartir, de se retrouver avec son ambiance familiale. Et maintenant, son mari, la même chose, il pense à faire la shrita du Korban Pessah pour elle, et le père, il pense à faire la shrita du Korban Pessah pour elle aussi. Selon qui elle va partir? Alors la Mishnah me dit, « Shachat alea via, shachat alea ba'ala, le père a fait la shrita sur elle, c'est-à-dire pour elle, et le mari a fait la shrita pour elle, eh bien, tochal bimkom shehi rotsa, elle pourra manger là où elle veut. Soit, apparemment, tel que c'est écrit, on n'a pas donné son avis, elle n'a même pas posé la question, pour en penser à la problématique, et puis elle arrive le soir, tel que c'est écrit, ça laisse ensemble, elle arrive le soir, le mari lui dit, bon, tu viens manger avec moi, le père lui dit, tu viens manger avec moi, et donc, il y aurait une machmaout qu'elle pourrait décider encore d'aller avec l'un ou avec l'autre. Seulement, ça touche à un problème très délicat, une sugya très vaste dans le chasse,
On a dialogué quelques fois, le nocé de Bréra, de faire des choses de manière indéfinie pour le moment, qu'on décidera ensuite de prendre une direction ou l'autre. C'est-à-dire, là on a un cas type. C'est très vaste, ça se trouve dans plein de sujets, cette question. Je décide maintenant, je fais une action en mettant une option sur deux, en mettant deux options. Je vais faire le corban, je déciderai après, est-ce que je vais aller à droite ou à gauche avec la famille de Réhouven ou la famille de Shimon. Est-ce que ça marche de faire une chose pareille? Ça touche à Ilchot, à Frachatrou, Matouma Asrot, je pense à ça là tout de suite. À Frachatrou, Matouma Asrot, c'est un cas très très fréquent. Ou je désigne qu'il va y avoir des fruits dans ce tas de fruits, il y a 10% de fruits qui sont maincères, que je n'ai pas encore prédéfinis. Pour le moment, est-ce que ça me permet de manger des autres fruits en disant, bon, c'est... Je décide que c'est pas eux, jusqu'à quel moment j'ai décidé, allez, c'est eux. Est-ce que je fais une chalot, l'homme et vorerette, je vais désigner un statut, mais qui n'est pas encore fixé quelque part, mais qui est soit l'un, soit l'autre. Concrètement, on tient pour tout ce qui est de Horaïta, en brera. On ne tient pas qu'il y a la... En eif charlivor, on ne peut pas faire un... On peut pas faire, de, faire décider une chose de manière non définie. On peut pas... D'accord ? On peut faire une chalot, j'ai pas le mot exact, la lomdes, on peut pas la traduire, c'est dur de la traduire en français. Mais de changer le statut de quelque chose de manière indéfinie, ça n'existe pas, on ne tient pas. De ce fait, en l'occurrence, la femme ici, on ne peut pas expliquer qu'on parle que le soir, au moment de manger, elle va décider où elle va. Non. En réalité, la Mishnah est en train de m'enseigner, Tuchal Bemokom Sheirosa Mishat Shrita. Tout ça, Yom Tovi rapporte. Là, le Bartanoï, il n'a rien dit sur la question, mais la Gemara explique, et c'est le Tuchal Yom Tovi qui rapporte, qui nous dit que Tuchal que. On parle qu'elle a décidé au moment de la shrita, est-ce qu'elle va manger avec l'un ou avec l'autre. Mais sinon, ça ne marchera pas, elle ne pourra manger ni de l'un ni de l'autre, parce qu'en fait, on ne sait pas est-ce que, inconsciemment, elle préférait l'un ou elle préférait l'autre, et du coup, entre les deux, mon cœur balance, elle reste bloquée entre les deux, elle ne pourra pas manger. D'accord? Maintenant, nouvelle situation, on a fini avec l'histoire de la femme. Donc je récapitule, on a la femme, une vraie femme mariée, elle va, selon son mari, tant qu'elle ne décide pas le contraire, même si on ne l'a pas demandé son avis, une jeune femme qui vient de se marier, c'est la première fête qu'elle va passer avec sa famille, alors elle est à 50-50. Et si elle ne prend pas une décision au moment de la shrita, eh bien elle pourra manger ni avec l'un ni avec l'autre. Nouvelle situation maintenant, on parle d'un yatom, un orphelin, Shechartou Alav Apotrofsin, que des tuteurs ont fait la shrita pour lui. Entre parenthèses, le mot apotrophos, ça se dit maintenant en hébreu moderne, c'est utilisé, apotrophos, c'est un tuteur, quelqu'un qui donc... gérant des biens des enfants, que ça vient, c'est dérivé, concrètement c'est dérivé du grec, le Tosfot Yom Tov l'évoque ici, comme on dit en anglais, ou même en yiddish, fater, un père, et un fils, fater, fils, apotrophis, d'accord, c'est apotrophos, apotrophsim, c'est au pluriel, donc il avait concrètement, il y a maintenant une famille d'orphelins, un enfant orphelin, qui a deux apotropos, deux tuteurs. Chacun, il a fait la shrita de son corban en pensant que c'était évident qu'elle allait manger chez moi. Après, les deux se rendent compte, il dit « Ah, mais j'ai fait la shrita pour lui. » L'autre, il dit « Non, moi, j'ai fait pour lui. » Alors, selon qui on va? Selon le premier qui a fait la shrita, selon. Alors, la Mishnah me dit « Yochal bimkom shurot » il pourra manger behemet là où il veut. Là, il y a un grand chidouche que c'est plus la peine d'expliquer comme ce qu'on a dit auparavant, qu'il avait une intention. L'enfant, on ne lui demande pas son intention. Il est forcément ni grave selon les deux apotropos. Il y a même un tosot qui précise dans la Gemara que concrètement, ça sortirait de Tosot qu'un enfant, il aurait le droit de manger n'importe où on veut dès qu'on a pensé à lui. Même si on n'a aucun rapport avec lui. D'accord? Dès qu'on a pensé à lui, on la quitte. Il n'a pas besoin d'être franchement nommé, en fait. Ensuite, donc Yochal Bemkom Shirotse, il mangera là où il veut. Maintenant, nouvelle situation. Eved Shel Shnei Shutafim, on a un esclave. Alors, il manque une petite introduction. Je ne sais plus si c'était une Mishnah qu'on a déjà vue ou si c'est rapporté dans une Braïta qui est rapportée dans la Gemara. Que tout d'abord, mon esclave, il va. Je le nomme sans lui demander son avis, même s'il ne veut pas, il vient vers, il est forcément grave après moi. Forcément, c'est moi qui le nomme et qui décide, je décide pour lui, parce que c'est mon esclave, il n'a pas d'identité, il n'a pas son avis à proposer. D'accord? Comme je décide pour ma main, je décide pour mon esclave. C'est mon bien. Du coup, ça c'est l'introduction qui manque. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, alors on se demande, il y a un esclave qui est partagé entre deux maîtres, qui ne se sont pas concertés. Chacun a fait la shrita pour son esclave. Pour son esclave, qui ne lui appartient qu'à moitié en réalité. Donc du coup, on a un problème. On a un esclave qui a une double personnalité, si je peux dire. Il appartient à la famille de Réhouven, il appartient à la famille de Shimon. Du coup,
Il aurait le droit de donner à manger à la moitié de son corps, mais pas à l'autre moitié. Et là, donc, il ne pourra pas manger rien du tout, le pauvre. Et Vetcheshne Shotafim, l'esclave de deux associés, Loyochal Michelchina, mais il ne pourra pas manger d'aucun des deux. Le Bartholomew nous précise, tant que Venlotakena Elaimken le seul moyen d'arranger cet esclave, c'est que le propriétaire, c'est que l'un des associés dise à l'autre, je le prends chez moi ou tu le prends chez toi, ils le font avec le consentement l'un de l'autre. Dans ce cas-là, bien évidemment, mon esclave, il peut partir manger chez mon voisin si toutefois moi j'accepte qu'il mange chez mon voisin. Donc mon voisin, il pourra le nommer avec lui. Ok? Même principe pour les deux associés, il faudra que l'un laisse l'autre, accepte que l'autre mange. D'accord? Qui fixe ensemble, qu'est-ce que la moitié qui lui appartient, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va. D'accord? Maintenant, nouvelle situation encore, c'est Mishé Chetzio Eved ve Chetzio Ben Chorim, quelqu'un qui est à moitié esclave, à moitié homme libre. Comment ça existe? C'est justement comme le cas précédent, c'est par le Mishé de Guitine, on en parle. On en parle, Perek Dalet. Il y a un esclave qui appartenait à deux associés. Un des deux associés l'a libéré. Ou encore même un esclave qui appartenait qu'à moi. Et il est venu, quelqu'un est venu, il m'a payé la moitié de l'esclave pour le libérer. Mais l'autre moitié, il n'a pas encore payé, donc il n'est pas encore libéré. On se retrouve avec un esclave qui a un double statut. Ça, on en parle très fréquemment, le Mincha Trinour. Si vous connaissez le livre, Mincha Trinour, qui s'éclate à faire des pilpoulim dans les parachiotes et dans les mitzvot de la Torah, il s'éclate justement avec le Chetzio Eved, Chetzio Ben Chorim. Il y a presque dans toutes les mitzvot, il va poser des questions sur ce Chetzio. C'est un statut très original. Je suis à moitié esclave, à moitié homme libre. En l'occurrence, peut-être je vous fais une petite introduction, puisqu'on va en avoir besoin pour expliquer le psaume de la Mishnah. Si par exemple, pour se marier, il est en grande galère, il ne peut pas se marier avec un esclave, il n'a pas le droit de se marier avec une femme d'Israël. Il n'a le droit de se marier qu'avec une servante. Un juif, un homme libre, juif, ou même guerre, il peut pas se marier avec une servante. Donc maintenant, il y a un problème, celui-là. Il a la moitié qui est libre, qui ne peut se marier qu'avec une bat Israël. Et la moitié qui est esclave, il peut se marier qu'avec une servante. Il peut se marier avec aucune des deux, parce que finalement, sa moitié esclave, elle n'a pas le droit de se marier avec la femme juive. Sa moitié homme libre, elle ne peut pas se marier avec la servante. Il est bloqué, il ne peut pas se marier. Justement, à cause de ça, je vous introduis une halakha, c'est justement la Mishnah dans Guittin qui revient sur ça, qui nous dit que il y a une discussion entre Machloket Béchamay et Béthilel. Au final, tout le monde est d'accord que le maître est obligé de libérer cet esclave pour qu'il puisse se marier et peupler le monde. Chaque homme, il a le devoir de peupler le monde. Ouais, c'est pas Pérour, vous, c'est Loto, Braa, la Chevet, etc. La terre, elle a besoin d'être peuplée. Et donc, du coup, tu laisses une personne en situation comme ça qui ne peut pas se marier ni avec personne. Alors non, c'est pas juste. On va forcer le maître de le libérer. Suite à ça, ça va influencer le psaque de la Mishnah. On met pour le moment ce sujet de côté et on attaque d'abord la Mishnah. Quelqu'un qui est à moitié esclave, à moitié homme libre. Lo yochal michel rabo, il ne pourra pas manger de la table de son maître, c'est-à-dire mon maître, son maître de celui qui était à moitié esclave, il a dit, je l'invite à manger avec moi. Lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas aller manger avec lui. Et on ne lui a pas demandé son avis. Donc du coup, le maître, il a fait la shrita, il a fait la shrita sur le korban pessah en pensant à lui, et ben, il ne pourra pas manger de ce korban pessah, parce que la moitié libre devait recevoir son consentement pour pouvoir le nommer sur ce korban. Maintenant, nouvelle précision. Si toutefois, maintenant, lui, il a fait un korban pessah pour lui-même, est-ce qu'il va manger de ce korban, ou bien non, le maître va dire, non, ta moitié d'esclave, c'est pas toi qui décides, c'est moi qui fixe pour toi. Alors ça, c'était vrai en théorie. C'est-à-dire, si, puisque l'esclave, en théorie, quand il est moitié, moitié libre, moitié esclave, il est réellement moitié libre, moitié esclave. Donc le maître a aussi un droit de décider ce qui va advenir de lui. Donc il peut aussi, il peut pas, l'esclave ne peut pas le forcer. Le maître peut empêcher la moitié esclave de manger du corban de l'esclave. Ça, c'était en théorie. Mais concrètement, comme ce qu'on a expliqué auparavant, que le maître a l'obligation de libérer l'esclave, donc du coup, le maître n'a plus d'emprise, il n'a plus son mot à dire. Du coup, c'est l'esclave qui décide pour lui-même, même si concrètement, il est encore à moitié esclave. C'est rapporté tout ça dans le Bar Tanoura et dans le Tosafot Yom Tov aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.